se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé si ma voix elle est un peu... parce qu'en fait il est très tôt le matin. Voilà, parce que il faut que j'aille chercher ma pomme mignon. Et là, parce que j'ai un monsieur à m'occuper, parce que je voulais montrer au vlog. Je ne l'avais jamais vu, mais alors je vais vous le montrer en parenthèse. En tout cas il s'appelle Nesquik, parce que notre parent, enfin, on a choisi ensemble. Et je trouve ça trop drôle ce nom, ça pense trop au chocolat, alors voilà. Alors je vais vous présenter, bon là il est dans sa petite cage, hein. Il est là dedans, il me saoule, elle est là dedans, il me casse les couilles. Sors de là! Je pense qu'il est là dedans. Il pourrait être là dedans, attendez. On a tout ça acheté hier, hein, en même temps du vlog, j'ai pas pu vraiment vous filmer parce que mes grands-parents m'ont dit non. Mes parents. Parce que regardez, c'est là dedans. Hein. Non, j'ai pas envie de l'écraser non plus. Dans la maison en bas qui est 10 fois trop grande pour la cage. En fait, je voyais rien. Allez, sors de là. Nesquik, dégage. Il est encore très peureux. Hein, l'a acheté hier et je peux comprendre qu'il ne veut pas trop se montrer. Après, je te fous la paix, chaton. Oui, on va limiter. C'est dégueulasse. Pourtant, il y a une lampe hein, qui éclaire la cage que je nettoie. Vous voyez le plan ? Non, vous voyez. Du foin partout, c'est pas ma façon. Dans deux semaines, la cage sera propre. Hein, voilà. Ce matin, j'ai nettoyé tout le bordel qu'il a fait là-haut. On a dû le sortir, mais vous imaginez même pas. Là, je mets de la paille parce que le bois, il prend la pisse, en fait. Et ça, c'est dégueulasse. Voilà. Et là, on sait pas si on peut, il peut monter. Mais il a, c'est moi qui l'avons mis en bas. Attendez, j'essaie juste de pousser un peu. Non, mais Squeak va pas là-dedans, c'était pas le but. Je vais vous le montrer. Allez, faire tout le plan. Et il part vite. Voilà. Il est juste là, vous voyez? Vous voyez pas parce qu'il s'est mis tout près, mais bon. Parce qu'il va se cacher dans ce truc. Et la dernière fois, il a réussi à rester bloqué. Je vous promets, il était bloqué. Il avait... Du coup, j'ai fait comme ça. Mais à fond, oui, j'ai vu très bien un peu du cochonnade. Et j'étais bloqué, j'ai dû sortir de là. Maintenant, j'ai peur qu'il se rebloque à nouveau. Que la chose, je suis pas là et tout. Et qu'il crève dans le fond, en fait. Nesquik, je suis désolé de t'avoir fait peur, mais voilà. Ah, il se barre. Tu vas dans ta maison, hein. Tu vas là-bas, t'es mort. Ah, Nesquik, dans ta maison. Il est trop mignon, je l'ai vu au magasin, c'est craqué. Mais va là-dessous, je t'ai dit quoi? Savoir que tu m'écoutes pas, hein. Tu trouves pas les couilles de ta ce que je dis. Il est là. Je le forme là-dedans. Mais j'aime pas trop le déranger en fait, mais j'aime pas quand qu'il va là-bas. Tu veux qu'il aille là, ou bien qu'il monte, c'est imbécile, et qu'il aille là-dedans. Bref, alors je vais vous présenter sa cage. Alors, je vais juste refermer le toit. On ne sait jamais, hein, par précaution. Je ne torture pas mon cochon d'arbre, hein. C'est juste pour vous le montrer. Et en plus, il faut qu'il est là-dedans. Parce que la dernière fois, il s'est coincé, je vous promets. Il s'est coincé. Normalement, il n'a pas se coincé, mais il s'est coincé là-dedans. Et ma grand-mère, elle l'a acheté pour la bouffe, pas pour que tu te caches dedans. Déjà qu'il a fallu se coincer ce con au magasin. On en avait vu un trop mignon que je veux trop avoir en plus. Que j'avais trop d'avoir deux, mais un ça suffit déjà largement. Mais il y avait un deuxième qui était trop chou, c'était deux mâles, parce que lui c'est un mâle et l'autre c'était aussi un mâle. Il était trop mignon, il est blanc avec des taches, il était blanc, tout blanc, mais il a que sur les yeux, il avait des taches noires et tout, il était trop chou. Et là je le vois apparaître, j'ai fait c'est lui que je veux, mais en fait l'autre était beaucoup moins pour que lui, alors voilà. Mais on va, il va s'habituer, mais j'aimerais bien qu'il s'habitue rapidement. Mais bon, voilà, moi je suis pas patiente non plus. Bref, alors je vais vous montrer la cage. Alors ici, on peut ouvrir pour regarder la vue exceptionnelle sur la bouffe, voilà. Et la roue qui va jamais utiliser, mais mon père tient à la mettre. Peut-être qu'on va utiliser, mais normalement c'est hamster qui utilise pas les cochons d'Inde. Je crois qu'ils confondent un peu les parents. Oui, ils en ont eu un hamster, ils n'ont jamais eu. Là, il y a aussi, y a aussi notre porte, hein, voilà. On peut ouvrir d'en bas. Et la grosse trappe, attendez, pour bien nettoyer, elle est hyper pratique cette trappe. Normalement, la cage, ça va être avoir une cage beaucoup plus petite que ça. Il n'y avait plus en stock et dans le magasin où j'étais, bah, ils disent ouais, ils vont bientôt arriver. Bah, pour eux, c'est 5 ou 6 mois bientôt arriver. Hein. Parce que mon père a acheté la remorque là-bas. C'est pas comme vous dire, c'est un magasin où ils vendent des trucs pour les animaux. Mais ils vendent aussi des remorques, des bois, enfin, c'est un magasin de bricolage. Ils vendent également des trucs pour les animaux. C'est 10 fois moins cher là-bas que chez un Dutch. Voilà. Parce qu'une cage comme ça, elle nous a coûté 105.
je sais plus. Mais tandis que dans les magasins, une cage comme ça, elle coûte peut-être 400 balles. Et la petite cage, on l'avait vue aussi dans un magasin d'un animalerie où on a été l'acheter. Elle coûtait bah, le prix de cette cage. Alors je peux vous dire franchement, ça sert à rien. Mais à la base, on devait pas avoir cette cage qui est juste énorme. Mais heureusement qu'on a acheté énorme parce que la maison là, elle aurait jamais passé dans la petite cage. Je l'aurais mis pour mes sèches. Après, bah, il n'y avait pas ça dans la petite cage. Hein. Il n'y avait pas ça, où il y avait ça, mais on pouvait enlever. Le truc à foin là où il va se cacher dedans, où il va encore se recoincer, à mon avis, il n'aurait pas assez de place. Et en plus, franchement, elle est extrêmement pratique. Par contre, ici, c'est un canapé pour que les gens viennent dormir. Et on a mis la cage là, c'est-à-dire que bah, maintenant mes cousines, mes copains, ils vont dormir en bas ou bien ils dorment dans le cochon d'Inde. Hein. Tu auras de la place, n'est-ce pas, qu'il y aura des gens qui vont dormir dans ta maison. Alors voilà, ils pourront dormir sur la cage hein, parce que franchement, il n'y a plus de place. Maintenant, moi j'ai des excuses pour que les cousines viennent dormir. Là, ah, c'est le cochon d'Inde, je sais si je peux pas le déplacer. Je dis, oh, j'ai de la place à côté de la cage, comme ça. Ça, il vient de dormir, mais dans la boîte, dans le bas, à mon avis. Mais mon père, il tient qu'il dort. Bon, ça sert strictement à rien, mais bon. Et la cage, je la mettrai où parce qu'elle est énorme, quoi. Elle passe pas dans son séquestre. Alors, bref, j'en étais où? J'en étais avec ma porte. Alors, il y a une porte bleue qui est hyper pratique. De la petite, on ne devait pas avoir cette porte bleue. Et franchement, on peut mettre bien les mains dedans. Elle se ferme comme ça, on peut bien mettre les mains dedans. Voilà. J'arrive à vous présenter la cage, j'espère que ça sera un peu heureux, mais bon, pour l'instant. L'été, merci. Parce qu'il y a quand même la lumière. Alors là, il y a une petite maison où il a fait. Il était là-dedans pendant toute une nuit. Il m'a chié des crottes et des crottes en double, ce machin. J'ai dû tout nettoyer ce matin à 7h du mat. Alors, il a pissé comme la pisse elle reste sur le bois. L'urine reste sur le bois, ben. C'est un peu dégueulasse qu'il a pissé vers la maison et vers le truc. Alors j'ai mis du foin qui est aussi bon là-haut qui fait pipi dedans. Voilà, ça retient. C'est du foin qu'on a chez mon grand-père quand il tond la pelouse. Et en fait, on la laisse. Parce que c'est pas une pelouse verte, c'est vraiment de la brouillasse. En fait, on la laisse et j'ai trois gros sacs comme ça avec plein de foin pour manger. Et hier soir, il a tout mangé. Là-bas, il y a une gamelle, normalement. Des ovations. C'est normal. Là-bas, il y a une gamelle où il y a la nourriture. Voilà, il n'a jamais été mangé dedans. Il préfère mieux le foin à la dandillon. Ici, il y a une cloche pour qu'il ronge. Voilà. L'abreuvoir qui tient juste avec ça. Un jour ou l'autre, il va lâcher ce machin. C'est pas possible. Voilà. Là, il y a le truc pour qu'il boive, mais il n'a jamais bu. Hein. Franchement. Là, parce que ça s'est vidé pendant qu'on a essayé de trouver le truc, mais il a jamais bu. J'ai un peu peur, bah, il faut qu'il boive. Parce qu'un jour ou l'autre, il va crever, c'est bon pas. Ici, il y a une barre pour la boue qui rouge aussi. Je veux dire qu'il est heureux, au cochon d'Inde. Une roue qui va lui servir à rien, parce que, à mon avis, il ne peut pas jouer dedans, mais bon, on verra, hein, ça dépend. Ça dépend des animaux. Là, les trucs ronds, normalement, ça devait faire une petite cabane qui, normalement, devait être derrière. Juste là, pour qu'il le cachait derrière. Mais en fait la pente qui est là, que vous voyez là, elle était beaucoup trop pendue, elle était à peu près droite. Vous voyez ça, bah, elle était juste un peu plus elle était un peu plus en diagonale comme ça. Elle arrivait à peu près par là. Et en fait il n'arrivait pas à monter ni à descendre. Bon, tu sais, il n'y a jamais en haut, hein. C'est juste tout en haut qu'il est vers en haut parce que c'est là où il y a la bouffe. Et quand il comprendra qu'ici il y a la bouffe, il n'y aura plus de foin là-dedans, bah, il ira manger en haut, hein, c'est un peu logique. J'aimerais bien mettre un truc à foin en haut et mettre la maison en bas, comme ça fait vraiment endroit bouffe. Là-haut. Ça je ferai dans ma prochaine cage. Parce que comme ça au moins là-haut il y aura encore bouffe et là-bas il y aura cachette. Comme ça il pourra aller manger ses crêpes et son machin. Sauf que là on va laisser ça là parce que c'est un peu trop grand. Et on hésite à le mettre peut-être deuxième là quand je retournerai à la cage. Mais bon, ça sera dans 2 semaines. Parce que pour l'instant bah, la cage elle est propre hein, parce qu'on l'a tout fait ça hier. Alors le rondin là qui sert, enfin ça sert pour monter. Mais avant ça servait pas pour monter. Parce que j'ai trouvé ça trop mignon, puis ce truc j'adore. C'est trop stylé, je voulais vraiment mettre là, ici. Voilà, et mon père a essayé d'arranger pour qu'il arrive à monter, pour attendre la bouffe. Voilà. Sinon, je crois que c'est tout sur la cage. Après, il y a la réserve de bouffe. Hein. Je vais vous montrer un peu ce qu'il mange. Parenthèse. Bon, il y a ça, mais ça, on n'a pas en double. Hein. C'est qu'une fois. C'est des copeaux. Alors, dedans, c'est des copeaux. Et j'adore ces copeaux. Oh, je vais leur mettre dans les box. Je suis un peu chippé. Bon, en tout cas, dans les box que j'aimerais bien mettre les copeaux, c'est dans ceux-là. C'est juste trop beau que j'aurai les portes et dans ceux-là peut-être. Dans ceux-là,
c'est bon avec le poney. Parce que je kiffe trop ses copeaux, je sais pas, j'adore la couleur et tout, enfin voilà, j'aime beaucoup. Parce que j'ai acheté ses copeaux pour Rofonda, j'ai acheté sa poupée, ça je t'en fais gaffe, ça aussi. Bref, alors maintenant on va descendre en bas pour vous montrer en fait ce qu'il mange, par contre ce qu'on lui a acheté pour qu'il vive bien. Bon, on lui a acheté la cage, peut-être que je ferme ça parce qu'on ne sait jamais. Et là il faut que je me lève faire les trucs, j'allais vous chercher la dandelion fraîche parce que voilà, moi il a un truc à manger parce qu'il adore ça. Il est comme mon vieux cochon d'Inde que quand j'étais toute petite. Alors voilà sa cage. Bref, alors on va y aller. Voilà, dans cet endroit magique, on va dire ça comme ça. Il fait extrêmement froid là-dedans. C'est là où il y a mes affaires d'équitation, je vous l'ai déjà présenté. Petite info, voilà. Ah oui, parce qu'il pleut dehors. Alors quand il pleut. Ok, cool. Oh putain, ça m'a fait trop flipper. J'étais là quand il pleut, et là, il ouvre des bruits de tonnerre. Il faut que j'aille vite ranger le foin, il faut que je me dépêche parce qu'il y a le foin dehors et il y a du vent. Et avec le gros paquet de foin, je vais vous montrer en plus, j'ai oublié. Bref, ici, ça fait trop flipper avec l'orage. Ici, il y a le foin, les copeaux qu'on a acheté. On a pour peut-être 3 litières, à peu près. Oui, bah ça, je flippe un peu. J'ai pas peur de l'orage, mais c'est plein de ce petit bruit là, ça me. Ça m'inquiète à fond, c'est vrai, c'est vrai. Ici, il a des bâtonnets à bouffer. Il n'a plus qu'un, il a 2 par paquet, c'est un peu d'arnaque. Et je peux vous montrer. Voilà, là il y a un bâtonnet. Ici, on a un vieux foin qui s'est à l'époque pour le slash. Donc, ma grand-mère m'avait donné, mais puisque j'ai un cochon d'Inde, bah, puisque ça sera fini, bah, ça sera de réserve. Et derrière, il y a ces petites crêpes. Attends, je n'arrive pas à vous montrer. Parce que je peux pas bouger ça parce que ça pèse 7 kg et c'est un peu gros. Alors, je pense que je vais pas chercher les dandelions tout de suite. Hein. Oh, celui-là. C'est ça. Je vais pas vous montrer. Galère. Bon derrière ouais, voilà, vous voyez bien ça bouffe et là il y a le foin. Bref, et je vais vous montrer dehors maintenant, alors on retourne en haut. Vous pouvez voir, il pleut dehors. Oula, et par contre, voilà, il pleut dehors. Non, on va essayer d'ouvrir la porte, elle est verte, c'est super. Ah il pleut. Oh il fait froid, putain. Il y a tout ce qui pleut dehors. Alors ici, il y a le foin qu'on a eu avec mon grand-père, alors je trouve. Celui-là il est presque vide. Voilà, on va le chercher par là. Et là il y a deux gros sacs remplis de foin qui servent pour l'alimentation. C'est pas du foin, c'est du foin, c'est pas de la paille. On va re-rentrer. Hein. Alors j'aurais plus de poisson hein, à mon avis. J'ai bien d'avoir un autre du coup, puisque j'ai le cochon d'Inde. Je fais deux trucs à la fois. C'est compliqué. Bon après le cochon d'Inde c'est moins compliqué à s'occuper d'un poisson. Alors je sais pas si j'arriverai à vous remontrer, on va pas perdre de temps. Mais il est vraiment là dedans. Bon, je vais pas le sortir parce que j'ai pas envie de lui faire peur. Mais si vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!